Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto français Affinity Photo. Vous avez déjà, par le passé, appris à redimensionner une image. Je vous redonne le chemin pour une petite révision. Document. Redimensionner le document. J'ouvre le verrou. Je choisis une unité qui me convient. Et, admettons, cette absurdité. Je choisis donc de donner à mon document 10 cm de largeur sur 20 cm de hauteur, ce qui, vous le comprenez bien, va compresser le nounours et donc va complètement le déformer. Ça, c'était pour redimensionner une image. CTRL Z, je reviens en arrière. Aujourd'hui, vous allez apprendre à redimensionner le canevas, c'est-à-dire l'intérieur de l'image. Pour redimensionner le canevas, Document, redimensionner le canevas. Des unités de mesure, je choisis centimètres. Et je vais choisir un carré de 10 cm à l'intérieur du canevas. Je valide en ouvrant le verrou. Et ce carré, je peux le positionner au centre, à droite, centre droite, au milieu de l'image. Je choisis de le positionner en bas à gauche, pour dimensionner, je n'ai conservé qu'un carré de 10 cm sur 10 cm en bas à gauche de l'image. Vous remarquerez que l'image a été verrouillée entre temps. Alors, je peux intervenir sur cette position en déplaçant l'image, et je vais retrouver sur ce carré de 10 cm sur 10 cm l'intérieur de l'image. Donc j'utilise les poignées, par exemple. J'ai aussi une autre possibilité, c'est d'utiliser ces alignements. Je peux aligner mon carré à gauche, centre, à droite, en haut, en bas. Alors vous pouvez soit directement travailler sur cette partie du canevas, là c'est pas très intéressant de voir des tétines, mais on peut supposer que vous aurez sélectionné une autre partie d'une image sur laquelle vous souhaitez travailler, et que vous souhaitez conserver en le recadrant par exemple. Vous pouvez aussi éventuellement en profiter pour déverrouiller et donc recadrer votre image. Que vous auriez pu faire directement avec la partie encadrement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine fois.